Mathieu Maison. J'ai commencé à fabriquer des chips il y a 3 ans maintenant. J'ai commencé avec l'aide de mes parents. Clémence, ma femme, m'a rejoint dans l'aventure. Ça se développe au fur et à mesure des années. L'idée, elle est venue de ma grand-mère qui nous faisait des chips lors des week-ends. Mes parents exploitent le site ici. On sort une variété tous les ans, une nouvelle variété de chips qui permet aussi d'agrémenter la gamme, de l'élargir, de recruter de nouveaux consommateurs, principalement en direct avec les magasins. On a aujourd'hui à peu près 600 points de vente. On a des points de vente un peu dans toute la France. Une petite épicerie à Londres, une épicerie aussi en Norvège et un groupe de jardinerie. Pour le lancement du projet, j'ai fait appel à Initiative Eure-et-Loire. Début de projet, on cherche forcément des financements. On s'est tourné vers Initiative Eure-et-Loire qui nous a aidé en partie à financer les machines. J'ai entendu parler d'Initiative Eure-et-Loire par la Chambre des métiers qui nous a aidé à monter le dossier.